brothers in adventure. A chicken and a penguin. Together we'll be heroes, save the people from evil. Cause we're the king. We're the king. Of the pandas. We'll defend our destiny. We were born to be kings. We're the king. Of the pandas. Oh, oh, oh. Kings of the pandas. Ça arrive pas à y croire. Le plus grand guerrier du royaume des 13 marées. Passage ici, dans notre petit récit. Il va me montrer comment manier son énorme épée crustacée. Et on va devenir les meilleurs amis de l'océan. Ouais. C'est pas une course. Bien sûr que si, le premier arrivé pourra lui parler. Ce qui est dommage pour toi, parce que tout le monde sait que c'est moi qui cours le plus vite. C'est ce qu'on va voir. Tu veux la jouer comme ça? Excusez-moi, pardon. Désolé, mesdames. Ouais, Johnny, c'est moi le plus rapide. Ça alors, c'est trop génial! Vous avez dit trop génial? Ah, je sais, c'est ce que tout le monde dit en me voyant! Crabman, le crabmérien? C'est moi, en chair et en pince! Crabman, le conquérant de Crabméria, le chef de guerre du donjon aux algues. Vainqueur incontesté des 13 tournois de la terreur. Grand inventeur des six fantastiques frappe-fracasse. Et vous? Qui êtes-vous? Salut, Crabman. Mon frère et moi, on est les deux princes d'Atlantis. On est vos plus grands fans. Je peux avoir un autographe pour Prince Joe, incontestablement le prince le plus cool d'Atlantis. Amitié Crabman. Les princes d'Atlantis? Et qu'est-ce que vous avez à la pince? Seigneur, je vous présente mes excuses. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Il a dû entendre parler de nous. Entendu parler de vous? Mes princes, votre héroïsme est légendaire à travers tout l'océan. Je suis venu ici dans l'espoir de trouver refuge. Mais Crabman n'aurait jamais imaginé qu'il rencontrerait les deux grands princes, Joe et Cody. Il a dit mon nom en premier, t'as entendu? Relevez-vous, Crabman. Vous ne pensiez pas tomber sur nous, mais nous rêvions de vous rencontrer depuis que notre oncle Phaéton nous a volé le trône et a enfermé notre père dans le palais. Vous avez besoin d'un guerrier? À vrai dire, c'est d'un maître d'armes dont on a besoin. Pourquoi faire, Cody? Pour s'entraîner, pour devenir de grands guerriers. Et qui mieux que Crabman pour faire de nous des boss de la baston? Tu vois où je veux en venir? On veut que vous fassiez de nous de super guerriers, aussi forts que vous. On ne devient pas aussi fort que Crabman du jour au lendemain. Il faut être prêt à s'entraîner au combat tous les jours. Il faut maîtriser le maniement de l'épée, du bouclier et tous les arts martiaux. On est prêt. Montrez-nous la voie, Crabman. D'accord. Dans ce cas, Crabman accepte. Ouais. Non. Les garçons, il ne suffit pas de manier l'épée pour être roi. Techniquement, moi, je manie une lance. On est super content de s'entraîner avec Crabman. Il a promis de faire de nous de grands guerriers. Un grand guerrier ne fait pas un grand roi. Vous devez apprendre à régner avec sagesse, compassion et bienveillance. Non, on doit surtout apprendre à maîtriser les six fantastiques frappes fracasses. Désolé, Picalus, mais il faut que j'aille me reposer. Je ne veux pas que Crabman me prenne pour un gros nul. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Cody? Désolé, professeur, mais notre entraînement est plus important. J'écoute. Ils pensent que je suis leur ami et ils m'ont demandé de les entraîner. Bien, excellent. Lancement de la phase 2. À vos ordres, sire. Je vais réduire à néant leur belle fraternité. Chut. Mais... Chut. Je vais réveiller Joe. Non, surtout pas. Votre entraînement commence tout de suite. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que j'aille chercher Joe? C'est un de vos plus grands fans et il était particulièrement content de s'entraîner avec vous. Mais moi, ce que je veux, c'est m'entraîner avec vous, Prince Cody. Joe est connu à travers tout l'océan comme un plaisantin, un blagueur, un prince qui manque de sérieux. Il me faut un élève plus appliqué. Hé! Vous auriez pu me blesser. Mais vous l'avez évité. Voilà le genre de réflexe que votre frère n'a malheureusement pas. Oui, c'est vrai, j'ai de bons réflexes. Mais si vous voulez connaître le secret des six fantastiques frappe-fracasses, votre agilité ne vous suffira pas. Vous devez être irréprochable, un esprit parfait dans un corps parfait. Vous devez vous débarrasser de vos faiblesses, et en particulier de l'affection que vous portez aux autres. Et vous êtes sûr que vous n'avez pas un problème avec votre pince? Jamais. Je me suis peut-être trompé sur vous, Prince Cody. Après tout, peut-être que c'est votre frère le véritable guerrier et que vous, vous n'êtes rien de plus qu'un petit rigolo.
Non, mais silence. Prenez le temps de méditer sur vos faiblesses et vos échecs. Contrairement à Crabman qui n'a aucun défaut, vous êtes loin d'être parfait. Salut le gars, vous m'avez pas réveillé? Vous m'avez pas réveillé, mais je suis prêt à m'entraîner. Et sinon, ça fait longtemps que vous êtes là? Peu importe. Il a raison. Votre frère a besoin de plus qu'un simple entraînement s'il veut devenir un guerrier. Laissez-nous, Cody. Prince Joe et moi, nous avons plein de choses à nous dire à propos des six fantastiques frappe fracasse. Vraiment? C'est vous le chef. Bon, je vous laisse. Je suis heureux de m'entraîner avec vous, Prince Joe. Cody est connu à travers tout l'océan comme un rabat-joie, un grincheux, le pire de tous les casse-pieds. Je suis convaincu que vous avez un immense potentiel en vous. Et ensuite, il a dit que ma frappe en l'air était, tiens-toi bien, fracassante. Ouais, comme ton haleine du matin. Demain, Crabman a promis de m'enseigner le lancer des 1000 poignards enflammés. N'importe quoi. Si je te le dis. C'est comme ça qu'il a arrêté la requin-vasion du Canyon Corail. C'est une de ses six fantastiques frappes fracasses. Je sais, oui. Et demain, tous ses secrets seront à moi. Joe, je t'ai déjà dit qu'il était mal poli de glousser quand on est à table. C'est pas juste. Comment ça? Je te dis que c'est pas juste. C'est à moi que Crabman devrait enseigner les frappes fracasses. Oui, mais c'est pas le cas. Je pense que Crabman sait reconnaître le véritable talent quand il l'a sous les yeux. Ou peut-être bien qu'il a vu que tu avais plus besoin d'aide que moi. Ou il a compris que tu n'étais qu'un râleur qui mange ses crottes de nez. Les garçons! Tu vas voir qui mange ses crottes de nez! Enlève tes sabots devant nez! Les garçons, que dirait votre père? Notre père n'est pas ici, et on n'a pas d'ordre à recevoir de vous. Vous n'êtes pas notre père. Je suis le presque dit, et j'ai toujours raison. Je suis le plus vieux, et je suis le plus intelligent, et je crois toujours tout savoir. Bah tu sais quoi, Cody? Tu te trompes! Vous croyez que ce sont mes premiers élèves? Est-ce qu'il parle de moi, son élève préféré? Aucun jeune n'a jamais survécu à mon entraînement. Les deux frères vont s'entre-déchirer et quand ils seront totalement affaiblis... C'est tellement agréable d'engager un vrai professionnel pour faire le travail. Si vous menez à bien votre mission, vous serez le crabe le plus riche d'Atlantis. Je t'ai cherché partout. Ben moi j'ai décidé de t'ignorer. Crabman a été engagé par Phaéton pour nous détruire. J'ai décidé de ne plus t'ignorer. Je l'ai entendu parler sur son holoclame. Mais attends, ça n'a aucun sens. Il a accepté de nous entraîner au combat. C'est évident. Phaéton sait parfaitement que si nous restons unis, rien ne peut nous arrêter. Mais si Crabman sème la zizanie entre nous, bam! Paf! On est fichu. Le canyon corail, le banc de poissons des ténèbres, je commence à me demander si toutes ces histoires ne seraient pas des mensonges. En tout cas, il y a une chose de sûre. S'il croit pouvoir nous détruire comme ça, c'est lui qui se raconte des histoires. Un vrai guerrier a une vie dure et dangereuse. Et je suis navré de vous l'annoncer, mais il y aura beaucoup de travail pour faire de vous des guerriers. Beaucoup trop de travail, à vrai dire. Attendez, vous voulez dire qu'un seul de nous pourra suivre l'entraînement? Exactement. L'un de vous deux apprendra à maîtriser mes six fantastiques frappes fracasses et deviendra une légende. L'autre fera comme tous les gens ordinaires. Il deviendra éleveur de krill ou de bulots. Ce sera forcément moi. Je veux apprendre le lancer de poignard enflammé. Et je n'aime pas trop le krill. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment de ce crétin complètement immature comme élève? C'est moi que vous voulez entraîner. Je le sais, vous le savez. Vraiment? Non. Je ne vois qu'un seul moyen pour en être sûr. Vous devez vaincre votre frère au combat. C'est la méthode la plus ancienne et la plus efficace pour prendre une décision. Deux individus entrent dans l'arène. Un seul en sortira. Je crois que cette fois, on y est. On va devoir s'affronter pour de vrai. Ouais, ça m'a fait plaisir d'être ton frère. Mais c'est terminé maintenant. Ou alors? Quoi? Il n'y a pas de ou alors. Vous devez vous affronter. Tu as une autre idée? Je t'écoute, petit frère. Ou alors? On montre à cette espèce de gros menteur ce qu'on fait aux espions de Phaéton. Quoi? Vous osez m'accuser, moi, le puissant Crabman et le... Oh, peu importe, vous m'avez démasqué, bravo, vous pouvez être fier. Dans mon plan, vous deviez vous détruire l'un l'autre, mais si je m'en charge, ça ira beaucoup plus vite. Et dire que j'ai un poster de vous! Vous étiez notre héros. Eh bien, ce sera votre dernière leçon. Apprenez que les héros, ça n'existe pas. Si vous croyez que les héros n'existent pas, c'est que vous nous connaissez mal, mon frère et moi. Ce que vous dites n'a aucun sens. Je viens de vous rencontrer et je vais vous détruire. La frappe de l'étude-ballée. Il est trop fort, Cody. On n'arrivera jamais à contrer ses frappes fracasses. Si seulement il m'avait enseigné le lancer de poignard. Est-ce que tu as vu sa pince droite? Elle est craquelée et elle tremble. C'est son point faible.
On n'a pas besoin de lancer 1000 poignards enflammés. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on soit malin. Couvre-moi. Vous croyez que vous êtes le plus fort? Vous croyez que vous êtes invincible? Je ne crois pas que je suis invincible. Je sais que je suis invincible. Je n'ai aucun défaut. Je suis parfait. Voilà encore un point sur lequel vous avez tout faux. Ah, j'ai... Ah. Oh, mais qu'est-ce que c'est? On termine notre démonstration, frérot? À condition qu'on le fasse ensemble. Allez, Cody, viens. Attends, j'ajoute un dernier petit truc. Voilà, on peut y aller.